wind to blow. His song is to blue to quarry. Thank you.
the morning on holiday. Je l'ai faite parce que je pense sincèrement que quand il y a des grandes écoutes comme ça, et qu'on vous propose des émissions télé, qu'on vient vous chercher, qu'on vous dit voilà, il faudrait que tu le fasses ce truc-là, je pense que quand il y a des grandes écoutes comme ça, il faut le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous avez un produit à vendre, quand vous êtes à peu près sûr de votre produit, que vous avez un produit à vendre, que vous avez des intentions, ça vous fait une pub extraordinaire ce genre d'émission. Il ne faut pas croire que c'est une émission que ringarde, ça n'est pas vrai. Il faut défendre son beefsteak. Nous, en tout cas, cette émission, je peux vous le dire, depuis... Alors moi j'ai eu la chance d'aller j'ai fait la première saison, j'ai eu la chance d'aller en finale. On en a même enregistré une, nous, c'était la demi-finale, en live. Et bien depuis cette émission, ça nous a permis de faire notre première grande tournée avec ce show. Et Dieu sait si elle fut... On a des anecdotes, on n'a pas le temps de toutes vous les raconter là, mais je peux vous dire que tout à l'heure on se marrait parce qu'on se rappelle à chaque fois tout ce qui nous arrivait pendant cette magnifique tournée. Écoutez, la plus belle cuite, et c'est absolument vrai, ils sont là pour le dire, la plus belle cuite qu'on ait jamais prise avec le Vegas Band lors de la tournée, c'était à Contrexeville, il faut le faire. Je vous jure que c'est vrai, à Contrexeville. Une cuite mémorable. C'est absolument extraordinaire. Il faut le faire quand même, une ville d'eau. Nous étions accueillis dans tous les casinos, voilà, nous avons fait la tournée en fait des casinos partout, je ne peux pas le citer. Et donc de magnifiques salles, un public extraordinaire, des salles pleines, des théâtres, mais c'était absolument, on a vécu un truc de fou. Hein. Je pourrais dire que faire un show Vegas dans les casinos, c'est super symbolique en France, enfin je veux dire, c'est, on a vécu quelque chose, le Palm Beach, machin, c'était grandiose, c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Et depuis, voilà, cette émission nous a fait signer en fait cette tournée. Donc ça n'a pas servi à rien, vous voyez. Et puis depuis, ben, c'est le festival et ça continue et on s'éclate. Et le Vegas Band ben, évolue, voilà. Alors j'ai gardé moi mes vieilles du Vegas Band, les premières vieilles, c'est lui. Lui, c'est les du début, là. Mais il sait plus rien. Vous lui posez une question, il me dit, mais il joue. Il est là, ah oui, mais on le garde. Ça va, mon petit joli. T'as pris ton cachet, Bernard, t'as pris ton cachet. Non, voilà. Alors, je vais vous les présenter ce soir. On va faire ça, je sais pas si on le fait en musique. Écoutez, je n'en sais rien, on peut le faire en musique, on peut le faire comme ça. En tout cas, écoutez, ça n'est pas bien grave. Je vais vous présenter ce monsieur que j'adore. Il me fait penser à Glenn Darding, je dis toujours lui. C'est mon Glenn Darding à moi, celui-là. Alors, monsieur le grand pianiste,
il fait tout lui. Il fait les cuivres, le piano, il fait tout, la vaisselle, à manger, il fait tout. Monsieur Dom là-bas. Quelque part, il me ramène une croix, j'ai plus où les mettre. C'est rempli de croix chez moi depuis 2007. Quand tu rentres chez moi, t'as l'impression d'être dans une église. C'est ça, Freud. Ou c'est grâce à lui. Je vous présente ce monsieur qui est aussi un grand journaliste, puisque vous pourrez vous en apprendre sur l'histoire de la base, de la musique, du rock'n'roll, spécialiste d'Elvis. Tous les ans, il se fait un petit Memphis, Nashville, un album. Je vous présente monsieur Rob Desparrés. Elle vient d'arriver, et je suis ravi qu'elle soit là, parce que elle est toute jeune, elle est toute fraîche, elle est pleine de bonnes idées, et elle a une voix formidable, elle est exceptionnelle, et c'est un ange. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est le prénom qu'elle porte. Elle porte le prénom de son physique. Je vous présente la charmante Charlotte. Merci la petite Charlotte. Beaucoup de talent. Grande chanteuse. Vous la connaissez tous. Je vais quand même la présenter. Alors là. Oh, c'est joli ça. Ça va bien? Allez, c'est fini. Alors, là, messieurs, dames, évidemment, vous êtes 80% à la connaître. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter. On ne peut pas connaître tout le monde. Hein. Mais là, vous avez une partie de l'histoire de ce métier extraordinaire, plein de rebondissements. Elle pourrait, moi, qu'est-ce que je pourrais dire que là, vous avez, et c'est banal ce que je vais vous dire là, parce qu'on en a pour 4 heures. Si on raconte tout le passé de cette dame, dont je vais vous citer le nom, une maman célèbre qui nous regarde. Ouais, voilà. Alors, rien qu'une anecdote, ou un film, c'est pas une anecdote. La dame que vous avez devant vous, alors c'est rigolo parce que je vous ai présenté notre petite Charlotte là. Et c'est quand même drôle ça, parce que c'est un fait de hasard tout à fait extraordinaire. Vous avez là la voix de la célèbre Charlotte aux fraises. C'est elle Charlotte aux fraises. Attendez, alors vous avez entendu. Oui. Mais ce n'est pas que ça. Je vous présente la grande, la talentueuse. Elle a travaillé avec tout le métier. Tu me conviendras pas, Lily, tu vas leur dire un petit mot, ce que tu as fait, parce que je trouve que c'est toujours formidable de faire partager cette passion, ce métier, ce vécu. C'est important. Nous ne sommes que de passage, alors partageons. Voilà, il y a eu Johnny, il y a eu...
y a eu, je sais plus, il y a eu tout le monde, Salvador, il y a eu les Coco Girls aussi, il y a eu plein de choses. Je vous présente Madame Lily Davis Boyer. J'ai commencé par Claude François, Sardou, Le Normand, Denis Rousseau, Montagnier, Johnny, Sylvie, Annie Cordy, Le Luron, enfin bref. Et je me suis régalée. Tu as vécu une époque révolue aujourd'hui, cette belle époque des années 60-70, où le métier était encore le métier de la paillette, faisait rêver. Voilà, toi tu as connu ça. C'est magnifique. J'ai gardé les paillettes. Et le talent. Voilà, madame, Annelie Lévy-Boyer. Et sa maman, on peut parler de ta maman qui est partie il n'y a pas très longtemps. Tu peux dire ce qu'elle a fait, ta maman, peut-être pour ceux qui ne savent pas, enfin. Elle a commencé à tourner les clips en 55, en noir et blanc. C'est Mamie Scopitone. Voilà. La dame Scopitone, c'est madame Boyer, sa maman. Qui est toute regarde, là. Elle n'est pas très loin. Merci. C'est tous aussi. Non. Il fait partie de ces guitaristes magiques. C'est ces gens qu'on appelle les guitareros. Je vous présente un monsieur qui joue comme personne. Voilà. Spécialiste du jeu Burton, Scotty Moore et j'en passe. Monsieur Alexis Mandolini. Ouais. S'il n'y avait pas le batteur, évidemment, celui qui donne le rythme, celui qui fait bouger, celui qui, à moi, fait partie de ma cure d'amaigrissement. Je vous présente un batteur de talent. Je dis bien de talent parce que voilà un monsieur qui sait battre, un monsieur qui sait jouer, un monsieur qui sait s'adapter. Et Dieu sait, quand on fait du rock'n'roll, si on n'a pas des batteurs comme ça, on ne peut pas faire du rock'n'roll. Un batteur de rock'n'roll est un batteur qui sait vous suivre. Sinon, c'est pas du rock'n'roll. Parce que le rock'n'roll, vous comprenez, le chanteur, il est toujours un peu fou, il va à droite, à gauche, il fait ce qu'il veut. Et si vous n'avez pas le batteur qui comprend ce qui va se passer au niveau de la gestuelle, eh bien, ça ne peut pas le faire, voilà. Et lui, il a tout compris. Je vous présente un grand batteur, monsieur Alexandre Bastard. Thank you.